Attendez, c'est mon introduction ça? Attendez, on l'a fait, je suis pas sûr là. Eh mais si, il semblerait que ce soit mon introduction. Bon, salut tout le monde, c'est Texas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après de longues et longues semaines d'attente pour un petit débriefing. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas pu en faire depuis très longtemps. J'ai pas du tout le nombre de semaines en tête. Pourquoi est-ce que c'est surtout Cléwood qui tenait la chaîne en ce moment et que je n'apparaissais pas beaucoup sur les vidéos, même si je pense que d'ici à ce que je pose cette vidéo, il y aura une autre vidéo sur un jeu, attention, où je participerai. Mais donc voilà, ces derniers temps, vous avez dû remarquer que je n'étais pas très actif, même voire pas du tout actif. Donc je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire ce que j'ai en tête donc pour les projets des semaines à venir, notamment avec l'arrivée des fêtes et des vacances qui vont me laisser beaucoup plus de temps pour faire des vidéos. Je vais aussi vous parler des changements qu'il va y avoir, que ce soit au niveau du style de nos vidéos, enfin de mes vidéos surtout parce que Cléwood, je ne sais pas s'il a beaucoup de. Je connais pas ses projets, c'est surtout une vidéo briefing, débriefing du moins. Débriefing, on va dire, de ce que j'ai à vous dire. Donc on va tout de suite commencer par les raisons pour lesquelles je n'ai pas été actif sur la chaîne ces derniers temps. Donc vous avez dû le remarquer, c'est Hollywood qui était chargé d'animer la chaîne ces derniers temps. Et pour cause, je n'avais pas du tout de matériel pour tourner des vidéos. Premièrement, j'ai mon casque, que si vous vous rappelez bien, j'avais dû renvoyer au vendeur puisqu'il était cassé. C'était un traitement X180, je l'ai re-reçu, mais ce coup-ci, il n'était pas cassé. Mais tout simplement, il n'était pas adapté et reconnaissable par mon ordinateur. Merci beaucoup, ça m'arrange, c'est vrai que c'est pratique. Ensuite, j'avais plus de logiciel de montage, donc là je viens d'en remettre un, vraiment c'est nickel. Parce que moi je tenais un peu trop fort le son de ma voix, voilà. Donc j'avais plus de logiciel de montage, je disais, et surtout je n'avais plus d'idée, c'est-à-dire que j'avais plus de jeu, je sais pas, Minecraft ça me disait pas, j'avais pas vraiment d'idée de jeu à faire, surtout que il faut savoir que le serveur qu'on avait entamé avec Cléwood, si vous vous souvenez, Freeland, mais on s'est fait littéralement défoncer la gueule par d'autres joueurs qui ont décidé de faire de l'anti-jeu en non seulement nous pillant mais détruisant toutes les infrastructures qu'on avait construites. Donc il ne me reste malheureusement aucune trace de ces réalisations qui nous avaient pris plusieurs semaines. Je suis un peu vénère contre ces gens-là, mais bon, c'est fait, hein, le mal est fait, on ne peut plus rien faire. Donc je tenais à m'excuser de cette absence. Je ne sais pas si c'est. C'est évident ou pas, mais je m'excuse d'avoir passé autant de temps sans faire de vidéo, mais vous savez qu'il est très dur de concilier vidéo et école, c'est quelque chose de complètement contradictoire. Donc il faut trouver du temps, et si jamais on a des problèmes, comme justement le logiciel tout ça, on n'a pas forcément le temps de les régler. Surtout que bon, je voulais pas vous cacher que je joue aussi à côté sur, pas seulement mon ordinateur, hein, je joue aussi sur des autres, d'autres supports, comme les consoles de salon, tout ça. Donc voilà, ça me laissait pas vraiment le temps de faire des vidéos. Donc suite à ces problèmes, nombre de vidéos n'ont pas vu le jour, comme par exemple une vidéo sur Warface que j'avais prévu, que je devais faire justement une découverte du sniper sur Warface. Cette vidéo ne sortira jamais de toute façon. Donc c'est pareil, ça me fait un peu chier. Mais, il va y avoir du changement. Et ce coup-ci, ce sera vraiment du changement, parce que ça fait beaucoup de fois qu'on vous dit oui, on a eu des problèmes, mais ça va changer, et que, ça a changé, mais pas tellement. Donc ce coup-ci, il va y avoir vraiment du changement, c'est-à-dire qu'on va trouver un bon rythme, bien calé, pour faire des vidéos sans que ça empiète sur le travail, sur mes activités quotidiennes. Et ce sera justement très bien réparti dans la semaine. Ensuite, justement, passons aux nouveautés. Donc, pour moi, en tout cas, une nouvelle introduction. J'espère que je vais essayer de faire un truc un peu mieux que ce que j'ai fait pour le moment. Il faut savoir que je suis pas très bon en intro, tout ça. Je sais pas forcément bien m'y prendre. Mais je vais m'enseigner, je vais essayer de faire un truc mieux que ça. Une nouvelle bannière, ça c'est sûr et certain. J'ai déjà commencé à la faire depuis longtemps, la bannière de la chaîne. Et Cléwood à côté travaille sur le logo. Donc normalement,
La chaîne va être redesignée. Des nouvelles vidéos, des nouvelles miniatures de vidéos. Moi, je sais que je vais garder un peu le style que j'avais fait. Oakleywood, je pense que vous l'avez remarqué, s'est trouvé un nouveau style de miniature. Surtout des nouveaux jeux, des nouvelles idées. Et ça fait longtemps qu'on nous le dit par des potes et par des viewers. Beaucoup, beaucoup plus de rire, moins de sérieux comme je suis en train de le faire là. C'était évidemment nécessaire et ça va être fait. Donc, les fêtes arrivant à grands pas, je pense que vous n'avez pas trop de mal à deviner les sujets de nos vidéos qui vont être Noël, le Nouvel An, tout ça. Mais après, j'aimerais faire un let's play sur un jeu, mais je n'ai pas encore de jeu en tête. Alors, si vous avez des idées, que ce soit des FPS, des jeux gratuits ou payants d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça m'arrangerait puisque ça me montrerait ce que vous voulez, ce que vous attendez de nous sur la chaîne, parce que c'est pas toujours évident de savoir quels sont les nouveaux jeux. C'est un peu ça le truc qui est dur, c'est de trouver les bons jeux, les bonnes séries, les bons let's play à faire de façon à ce que ça vous plaise. Donc pour finir, je vais vous remercier de votre patience, d'avoir attendu tout ce temps avant de. Parce que ça va faire vraiment longtemps, j'ai vraiment pas regardé encore parce que je suis une feignasse, mais ça va faire vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc merci de votre patience. N'hésitez pas, si jamais vous ne connaissez pas notre chaîne, à regarder des vidéos pour voir un peu si ça vous plaît. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!